Bonjour et bienvenue pour votre séance d'aujourd'hui. Nous allons travailler essentiellement sur la sangle abdominale. Pour ça, 5 exercices que nous allons alterner en enchaînant 35 secondes de l'un, 30 secondes de l'autre sur 4 grands tours complets pour 20 minutes d'effort au total. Donc c'est votre séance hebdomadaire lundi en live ensemble. Donc ma foi, vous aurez besoin juste de votre tapis, pas de matériel, juste votre corps et votre motivation fera largement l'affaire. Je lance le chrono, mettez-vous en place. Démarrage dans 3, 2, 1. C'est parti, vous êtes allongé sur le dos, les pieds décollés du sol, un bel angle droit du haut au genou, les mains derrière la tête, abdos dans l'axe. Soufflez en montant. Des petits abdos, toujours dans l'idée de vous agrandir, d'aller vers le ciel sans pousser vers l'avant. Soufflez à chaque montée. La tête repose dans les mains et ce n'est pas les mains qui tirent la tête. Courage. 3, 2, 1. Relâchez. Gainage sur le côté. Pour ça, vous mettez sur l'avant-bras. Les jambes tendues, vous levez le bassin et vous restez. Pourquoi pas, en cas de difficulté, vous aidez avec la main du dessus à poser par terre. Ou bien la jambe du dessous, la plier pour être un peu plus à l'aise, un peu plus facile dans cette posture. L'idée, si vous touchez, c'est que ça travaille au niveau de la taille, que c'est contracté. Donc pour marquer la taille, il n'y a rien de mieux comme exercice. Reposez. On reprend l'exercice sur le dos, ce sera toujours le même en transition. Soufflez en montant. C'est bien. 15 secondes. Allez, 100% abdos sur cette séance. C'est bien, encore 3, 2, 1. Redressez. Gainage de l'autre côté. Vous étiez sur un coude, maintenant vous égalisez en vous mettant sur l'autre. Et vous restez. Rappelez-vous, ça peut être jambes tendues ou bien genoux pliés. Aucun souci pour ça. La main par terre, le long du corps ou vers le ciel, aucun problème, dans l'idée de vous agrandir. Et vous tenez. 5, 4, 3, 2, 1. Sur le dos, abdos dans l'axe, c'est notre exercice de transition. 20 secondes. C'est bien, encore 15. Il se peut que vous sentiez à commencer les abdos, surtout au niveau de la taille, là, ce que vous venez de travailler à l'instant. Redressez, position, sur les mains, sur les genoux, vous tendez la jambe gauche, vous tendez le bras droit, l'opposé, vous ramenez, vous touchez, vous repoussez, vous touchez, vous repoussez. Allez, dans l'idée d'aligner le bras et la jambe à la colonne vertébrale. Super. Sur le dos, abdos. C'est bien, sans perdre de temps. Allez, petits abdos dans l'axe. Si jamais vous avez du mal, que ça commence à picoter, pourquoi pas le faire les pieds posés par terre, d'accord? Vous vous gérez. C'est bien, encore 5, 4, 3, 2, 1. À nouveau, sur les mains, sur les genoux. Cette fois, vous tendez le bras gauche, la jambe droite, avant de revenir toucher. Vous repoussez, vous touchez l'un et l'autre. C'est bien, agrandissez-vous. Transition sur le dos, les abdos dans l'axe. Soufflez en montant, c'est très bien. 15 secondes. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Nous resterons un dernier exercice pour conclure notre tour complet. Ok, de suite, c'est gainage sur les avant-bras, sur les pieds, et vous résistez. Très bien. Allez, c'est la fin, c'est celui qui clôture la boucle. Le premier tour. Tenez les épaules basses, les abdos contractés, sans creuser dans le bas du dos, sinon pourquoi pas poser les genoux par terre. Tenez. Allez, résistez, c'est la fin. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Yes, reprise abdos dans l'axe. Et nous avons terminé le premier tour. Maintenant, il suffit de recommencer ça 3 fois supplémentaires. Donc que des abdos, certes le mouvement sur la position 4 pattes, nous avons du dos, certes on parle de sangle abdominale. 10 secondes. Encore 4. Ok. Gainage côté, vous êtes sur un avant-bras. Vous tendez les jambes et vous restez. Vous résistez dans l'intention de vous grandir. Respiration régulière, encore 15 secondes. Allez, dans l'axe, facile. Sans vous faire mal, sans être dans l'action, vous poussez. Encore 8 secondes. Yes. Gainage de l'autre côté, maintenant, vous équilibrez. L'autre avant-bras, les jambes tendues, et vous restez. Très bien, 20 secondes. Super. Allez, seulement 20 minutes pour vraiment travailler la taille. C'est pas l'été là qui arrive. Encore 10 secondes. Très bien, encore. 3, 2, 1, stop. Sur le dos. Abdos dans la foulée. C'est toujours notre exercice de transition, celui qu'on sera amené à faire plein de fois. Sur les mains, sur les genoux, et vous tendez jambes et bras, puis vous touchez, sans toucher le sol, vous touchez la main et le genou, avant de repousser. Ok, à nouveau sur le dos. Abdos dans l'axe. Soufflez en montant, sans tension dans la nuque. Toujours bien dans votre rythme. N'oubliez pas, là, plus on en fait, plus ça va venir tirer, picoter. Pourquoi pas poser les pieds par terre? Super. Sur les genoux, sur les mains. Tendez l'autre bras, l'autre jambe, loin devant, loin derrière, vous touchez, vous poussez. Allez, repoussez également le sommet du crâne, loin devant. Grandissez-vous autant que vous pouvez, sans aucun tassement, même sur votre genou d'appui. Repoussez la hanche sur votre épaule, poussez l'épaule. Sur le dos. Abdos dans l'axe. C'est bien, encore 15 secondes.
5. Excellent. Gainage de face pour finir. Pour finir pour ce tour. Là, on sera à la moitié de la séance, c'est bien. Allez, gainé, contractez fort. Dans l'axe. Stable. Stable comme jamais. Vous verrouillez. Sans creuser le bas du dos. Et sans trop arrondir non plus. Juste rester aligné. Encore 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allongez-vous sur le dos. On attaque ensemble le troisième tour et l'avant-dernier donc. C'est dire aussi que nous sommes à la moitié de notre séance. On a passé le cap des 10 minutes. Allez, cherchez vers le ciel, grandissez-vous. Super. Reprenez le gainage côté. Allez, maintenant vous connaissez la boucle, ça enchaîne. Très bien, abdos. Là-dessus, certes, jambes tendues pour avoir un peu plus de difficulté. Genoux du dessous pliés pour un peu plus de facilité. 10 secondes encore. Sur le dos, abdos. Quinze secondes. Jusqu'au bout, 5. Gainage de l'autre côté. Ah, c'est bien, 20 secondes. Allez, solide, levez le bassin autant que vous pouvez. Sentez que ça travaille sur la taille. Alignez aux épaules et aux chevilles. Repoussez sans vous tasser. 3, 2, 1. Sur le dos, ça enchaîne. Une seconde. En quadrupédie sur les mains, sur les genoux. Là-dessus, ça permet de relâcher un peu les abdos, de manière à se concentrer un peu plus sur le dos, sans l'abdominal. Donc, vous poussez, vous venez toucher. Pas la peine de le faire très rapidement, mais surtout, faites-le bien, de manière à vous grandir de part et d'autre, comme si vous étiez tracté et tiré de chaque côté. Ok, dénage. Enfin, gainage. Abdos, plutôt. Allez, dans l'axe. Cinq secondes. Notre patte de l'autre côté, l'autre bras, l'autre jambe. Allez, le main et le genou ne touchent pas le sol. Contractez fort fessiers, repoussez. Abdos dans l'axe. Plus que deux exercices avant de clôturer notre avant-dernier tour. S'en suivra la dernière série. Allez, le bas du dos bien plaqué, sans creuser. Contractez fort ces abdos dans l'idée de repousser vers le ciel.
Gainage de face. Vous, à la conclusion, tenez. C'est bien encore. Trois, deux, un, stop. Sur le dos à dos. Allez, tout de suite. Vers le ciel. Ne restez pas en apnée, la respiration reste fluide. Plus que 10 secondes, sans tension dans la nuque non plus. Différenciez les abdos qui travaillent de la tête qui repose sur le bout des doigts. Yes. Gainage côté. Un coude, jambes tendues et vous restez. Vous tenez. 15 secondes. Allez, bien stable. Avec les adaptations que vous voulez, en cas de difficulté. Yes, abdos encore. Allez, c'est reparti. Continuez de monter. Yes. Gainage de l'autre côté. Équilibré. Sur le coude. Jambes tendues ou fléchies. Tenez la posture. C'est bien. Allez, très bien. Encore, encore, encore. 15 secondes. Cinq. Et sur le dos, enchaînez. Allez, il nous reste trois exercices pour finir. C'est bien, lâchez rien. 10 secondes. Sur les mains, sur les genoux, avec un bras, une jambe tendue, jambe opposée. Et vous repoussez, vous touchez et vous repoussez. Allez, si c'est le bras droit qui est tendu, c'est la jambe gauche qui part. C'est bien. Abdos. Plus que 15 secondes. C'est bien. Allez, aucune douleur dans le bas du dos. Sentez essentiellement les abdos qui, pourquoi pas, commencent à brûler, à piquer. Toujours avec la respiration. 3 secondes. Yes. Quadrupédie. L'autre bras, l'autre jambe. C'est bien, ça se termine. Yes, les abdos dans l'axe, suivi du gainage, et ce sera fini. Encore terminé en faisant bien. Accélérez, allez plus loin. Cinq secondes. Yes, 30
30 secondes de gainage. C'est parti. Sur les coudes, sur les pieds. Résistez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, jusqu'au bout. Contractez fort, sans creuser. Allez, facile. Seulement 30 secondes. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Stop, reposez. Excellent. Très bien. Bravo à vous. Terminé pour notre phase, entre guillemets, intense, mais du moins ciblée sur notre sangle abdominal. Maintenant, un petit étirement tout facile pour venir donner de la souplesse, donner de la place un petit peu à ces abdos qui viennent de travailler, le dos également. Pour ça, vous vous allongez rapidement sur le dos, les pieds par terre, les bras écartés en croix. Vous basculez les deux genoux dans un sens, vous tournez la tête à l'opposé. Et vous restez quelques instants, vous restez 4 respirations. Vous inspirez, vous agrandissez, vous soufflez, vous reposez. Les omoplates restent en contact avec le sol. À la fin de vos 4 respirations, ramenez les genoux dans l'axe, changez de sens, toujours les bras en croix, la tête à l'opposé des genoux. 4 respirations. Soufflez, restez, en cherchant un peu plus loin à chaque respiration. À la fin de vos 4 respirations, ramenez dans l'axe, vous pouvez vous redresser tranquillement à votre rythme. Félicitations, nous en avons terminé pour le live du jour. Bravo à vous, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, en forme, avec toujours la même motivation. On prend les mêmes et on recommence. Récupérez bien, buvez de l'eau fraîche, profitez des terrasses, mais pas trop. Et ma foi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut !